dirait un genre de déphaseur de matière. Terminé, je remonte. Excusez-moi, est-ce que vous étiez en train d'essayer de voler ça? Oh non! Madame Costume, c'était quoi ça? Vous m'avez dit de choisir. Quoi? Non, remets les paramètres antérieurs! Activation de tous les systèmes. Légère commotion cérébrale. Où est-ce que je suis maintenant? Impossible de répondre. Les parois du conteneur brouillent mes signaux. Une minute. Ils ont dû s'emparer du camion, on doit être dans leur repère. Madame Costume, ça m'étonnerait qu'on puisse sortir d'ici les mains dans les poches. 3, 2, 1. Cet endroit. Je suis où, là? Vous êtes dans les installations les plus protégées de la côte Est. L'entrepôt fortifié Damage Control. Oh non, c'est pas vrai! La porte ne devrait pas s'ouvrir avant demain matin. Demain matin? Madame Costume? Je trouve que ça te va pas très bien comme nom, Madame Costume. Il faudrait trouver quelque chose de moins impersonnel. Lise, par exemple? Non, ce serait... trop bizarre. Pourquoi pas Karen? Oui, appelez-moi Karen si ça vous fait plaisir. Eh, Karen, montre-moi ce que mon costume peut faire. Oh, cool! Si tu me donnais le cours de rattrapage. Toile ricochet. Toile ricochet. Oh, cool! Séparateur de toile. Toile grenade. Toile grenade! Est-ce que je devrais dire à Liz que c'est moi, Spider-Man? Qui est Liz? Liz? C'est la plus belle, c'est la meilleure. En fait, c'est juste une camarade d'école. Ouais, j'ai envie de lui dire qui je suis, mais je me vois mal arriver devant elle en disant « Salut, Liz, c'est moi, Spider-Man. » Pourquoi, n'est-ce pas évident? Elle s'attend peut-être à ce que Spider-Man soit comme Tony Stark. Imagine sa déception en apprenant que c'est moi. Eh bien, si j'étais elle, je ne serais certainement pas déçue. Ah, c'est gentil, Karen. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Ça fait combien de temps qu'on est ici? 37 minutes. Quoi? Seulement 37 minutes? Mais c'est fou! Je peux plus supporter d'attendre. Il faut que je sorte d'ici.